Alors, les biscuits, je crois que c'est les biscuits, à l'arrière de la tête, on en a une qui a deux petites plumes. Et ces plumes, elles les ont uniquement à la saison de la reproduction. Elles en ont été chassées pour celle-ci. Bah oui, ça fait trop d'un coup là. Regardez également dans le bassin, on a un flamant rouge de Cuba qui est arrivé, il est en train de boire. Dans la nature, il doit faire exactement pareil pour s'alimenter. Il va mettre ses pattes palmées, c'est un échassier qui a des pattes palmées, comme les canards qu'on a devant nous. Il va poser les pattes dans l'eau, le flamant rouge du Chili qui est ici, tu passes devant. Allez, reconnaissable à ses articulations, bien roses. Alors dans la nature, ils vont manger des crevettes microscopiques, on voit pas à l'œil nu. Et ils vont tout simplement piétiner avec leurs pattes pour les remettre en suspension dans l'eau et avaler et rejeter l'eau avec leur bec afin de retenir ces toutes petites particules. Alors pour ceux qui sont plus près du flamant, regardez sur le bord du bec, on a des petites lamelles, des petites qui lui servent justement à retenir la nourriture, un petit peu comme les fanons des baleines. Alors les échassiers vont également rester avec nous jusqu'à la fin du spectacle. Mais Milan, vous le voyez.